Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais voir comment fonctionne cette petite bête, un déchaumeur à dents, le Tintiller de Vicon. Donc là, on déchaume une paille de blé. Les pailles n'ont pas été enlevées. Donc vous voyez qu'il y en a assez épais là. Il y a une bonne couche et en plus de ça, la moissonneuse, l'axiale, elle n'a pas très bien écarté le flux de paille. Donc il y a des zones où ça crée un petit tendin, donc qui n'est pas évident à enfouir. Et vous allez voir que bon, bah le déchaumeur à dents Tintiller de Vicon est pas mal parce qu'il travaille bien et il enfouit assez bien la paille. Donc ce Tintiller là est de 3 mètres, un peu plus de 3 mètres. On a 3 rangées de 4 dents. Elles sont espacées les unes des autres suffisamment, ça permet de ne pas bourrer et de laisser un bon dégagement pour laisser échapper la végétation. Donc à l'arrière, un rouleau qui permet donc de régler la profondeur d'attaque et de profondeur. Après, vous avez d'autres types de rouleaux qui existent, en forme de spire par exemple. Bon, dans nos terres, ça va pas, on a choisi celui-là parce que nos terres sont assez pourvues en pierre et ça va, les pierres vont se coincer à l'intérieur entre chaque lamelle. Donc celui-là, c'est celui qui offre le meilleur compromis. Donc, pour régler la profondeur, vous avez plusieurs mécanismes. Vous avez donc le réglage par le rouleau. Donc ça va être le réglage si vous voulez des dents arrière. Donc vous voyez, ça va être ces trous là de chaque côté de chaque poutrelle. Et ensuite le réglage des dents avant avec le relevage et la barre de poussée. Donc de toute façon, ce qu'il faut, c'est que par ces deux réglages, l'ensemble du châssis soit horizontal. Alors, je vous fais voir à peu près la profondeur où il travaille. Bon, là actuellement, le travail que j'y fais, c'est du 10-15 cm. Oui, il va, c'est creux. Bon, je vous fais voir tout de suite comment il travaille en condition. Oui, puis aussi donc ici les pièces d'usure, ce sont les dents, les pointes des dents. Donc ici on a choisi un système rapide de changement, il n'y a aucun boulon. Je vais vous faire voir, il suffit juste un marteau. Donc là imaginons qu'elle est, voilà, elle est encore saine, mais imaginons qu'elle est usée et qu'elle, parfois donc on use jusque là. Hein. Donc il faut taper ici, il faut faire gaffe aux yeux, il faut prendre des lunettes. Bon là j'en ai pas. Voilà, la dent est enlevée, ça c'est son support. Lui aussi il se change, il s'use. Vous remettez votre dent neuve, elle se coulisse. Deux, trois petits coups de marteau et c'est bon.